Moi, salut les amis, m'espérer avec Jésus en forme. C'est un plaisir pour nous rencontrer aujourd'hui, qui c'est mercredi 14 juillet. Dans l'objectif pour nous voir ensemble, il y a l'autre partie dans le cadre d'étude semaine. Mais bien avant même que nous rentrions dans l'étude que nous devons aujourd'hui, à nous prier le Seigneur. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour tout ce qu'on fait dans la vie. Tandis que aujourd'hui, pour une autre fois, nous allons étudier une prochaine étude semaine. Bah, nous avons bonne intelligence, pour qu'on comprenne la parole et mettre en application. Pardonnez les péchés, nous sauvez-nous. Nous prions concernant notre Jésus. Amen. Nous voulons remercier, féliciter, encourager et faire que nous nous faisons chaque jour pour arriver à étudier les leçons de l'école du sabbat. Et pas oublier chaque fois que nous finissons d'étudier les leçons, ou bien de voir pour capable partager ensemble avec entourage et concernant plus de monde capable d'arriver à étudier les leçons de l'école du sabbat. Ce que nous connaissons ce maintenant, nous avons la leçon 3, les causes de notre agitation. C'est thème ça que nous ensemble avec vous nous gagnons pendant toute semaine pour que nous soyons capables de développer ensemble. Et verset pour nous qui est bien en tête, c'est Jacques chapitre 3, le verset 16. Et c'est texte ça nous gagnons pendant toute semaine pour que nous soyons capables de mémoriser. Parce que, côté qui gagne jalousie, côté mon appui des intérêts par eux, il faut gagner des ordres à toute qualité, méchanceté. Parce que, côté qui gagne jalousie, côté mon approuve des intérêts par eux, il faut gagner des autres à toute qualité, méchanceté. C'est texte ça nous gagne pendant la semaine pour que nous capables de mémoriser. Je dis à qui c'est mercredi 14 juillet. Et tu que nous parlons ensemble, je dis à l'idée comme ça, l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est thème ça que nous parlons ouais, ensemble, je dis à. L'heure dit un monde hypocrite, c'est un monde qui fait passer pour ça le payer. C'est un monde qui a joué un rôle et puis en réalité, c'est un monde qui a joué, c'est pas ça qui est. C'est-à-dire, c'est un monde qui a fait semblant, mais il n'est pas ça vraiment. Thème et ça, il est utilisé 7 fois dans Matthieu chapitre 23. Dans un discours que Jésus lui-même a fait publiquement, il y a un discours qui était fait honte avec les scribes, avec les pharisiens, avec tout principal responsable religieux dans l'époque. Là. Matthieu chapitre 23, verset 13. À 15, verset 23, verset 25, verset 27, verset 29, yo tout yo parlé de discours ça. Dans l'évangile, c'est-à-dire dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous voyons Jésus qui t'a offert grâce, pardon avec adultère, avec collecteur d'impôts, avec prostitué, et même avec moun qui a tué moun. Tandis que nous voyons Jésus manifester peu de compassion pour moun qui est hypocrite. Et nous capables vérifier ça dans Matthieu chapitre 6 verset 2, verset 5, verset 16, dans Matthieu chapitre 7 verset 5, dans Matthieu chapitre 15 verset 7 à 9 et dans Matthieu chapitre 22 verset 18. Nous voyons texte ça montre nous Jésus fait peu de compassion. Il manifeste peu de compassion et bien pour monde ça qui est hypocrite. Maintenant nous allons lire dans Matthieu chapitre 23. Nous allons lire dans verset 1 pour nous arriver dans verset 13. Nous allons énumérer quatre principales caractéristiques de monde qui est hypocrite. Nous allons lire ça. Texte ça va nous donner quatre caractéristiques principales de monde qui est hypocrite. C'est Matthieu chapitre 23. Nous allons lire dans verset 1 pour nous arriver dans verset 13. Mais qui ça dit? Après ça, Jésus parlait avec foule moun yo ensemble avec disciples les dire. Directeur la loi yo ak farizien yo là pour nous expliquer la loi Moïse là. C'est pour nous coûter yo. C'est pour nous faire tout ça yo dit nous fait, mais parfait en pour yo. Parce que yo même yo pas fait ça yo dit nous fait. Yo mari go chay lou yo mette sous épaule l'autre monde. Mais yo même yo pas plevé yon petit point douette pour yo aider moun yo pote chay là. Tout ça yo fait c'est pour moun capable wè yo. Gardez grosse médaille qui marqué ak parole livre là yo mari sou fond yo ak nan bra yo. Gardez longue garanti ki nan roulette radlon yo. Yo reme pi bon place nan réception. Yo reme chita côté pou moun wè yo nan synagogue. Yo reme pou moun di yo bonjour jouk a terre le yo sou place publique. Pou moun rele yo maître mais nous même pas fait moun rele nous même parce que c'est un seul maître, nous gagnons à part ça, nous tous ces frères. Parlez les personnes sous la terre, papa, parce que nous gagnons seul papa, ça qui dans le ciel là. Pas quitter, y aurait les nous, pas quitter, y aurait les nous chefs,
parce que nous avons un seul chef, c'est Christ là. Moun ki pi grenèk nan mitan nou an, c'est moun k'ap servi nou an. Moun ki veut lever tête li, y a descend li. Moun ki descend tête li, y a lever li. Manè pou nou, nous-mêmes directeur la loi ak pharisien, ban hypocrite, nous ferme porte qui mène nan pays wa ki nan ciel là pour personne pas rentrer. Nous-mêmes, nous pas rentrer la dani. L'infini moun ki ta vle antre, nou impose yo antre. Eh bien, nou e, Jésus fait mention de quatre caractéristiques eh bien que nous jwenn la kay. Scribe yo avec pharisien. Nan judaïsme nan premier siècle après Jésus-Christ, pharisien ont été représenté eh bien la droite religieuse conservatrice. Yo te intéressé particulièrement avec sa noëlé, la loi écrite et orale. Yo te mette accent sur rite purification yo. Sadducéen yo même, c'était yon l'autre groupe dirigeant généralement qui souvent associé avec classe et bien sacerdotale là. Yo te formé yon l'autre courant dans judaïsme. Yo même yo te influencé par culture et bien grec yo. Yo te parlé grec et yo te maîtrisé notion principale en dans philosophie grecque là, c'est-à-dire ça qui te servi comme essence dans philosophie grecque là, et bien yo même moun nou relé et bien sadducéen yo te connaît yo bien et yo pas croire dans jugement à venir, yo pas croire tout dans la vie après la mort. Nous ta capable qualifier moun sa yo comme libéral. Et des groupes sa yo te coupable de ça qui nous relé hypocrisie. Eh bien, nous parlons ouais vraiment quatre éléments principaux yo qui fait eh bien que nous capable ouais la caille moun eh bien qui hypocrite qui ça eux. Selon Jésus, moun qui hypocrite là, li dit un bagaille mais li pas fait. Ça nous dit ouais déjà moun a fait semblant. L'a joué un rôle mais c'est pas ça qu'il dit. Y a exigé moun pour yo garder la loi mais yo même yo pas garder la loi. Troisième bagaille, nous la caille hypocrite yo. Eh bien, yo remet moun admire yo, pour moun ap salye yo, pour moun ap ba yo respect. OK? Eh bien, yo toujours vle prendre première place. Yo toujours vle passer avant, yo toujours vle faire moun wè. Et quatrième bagay la, yo toujours vle revendiquer titre honorifique, c'est-à-dire pour aprele yo maître, pour aprele yo papa. Eh bien, yo toujours vle moun, eh bien, ba yo titre sa. Et nou wè, Jésus, li di, pi ga nou rele personne moun sou te a maître, pi ga nou rele personne moun sou te a papa. Eh bien, nous gagnons un seul maître, nous gagnons un seul papa, eh bien, c'est Jésus-Christ. Même si nous voyons Jésus, eh bien, tu as un discours direct, eh bien, à l'égard de mon Dieu, mais nous voyons Jésus plein d'amour pour eux. Jésus manifestait sollicitude, même pour mon Dieu, qu'il était considéré comme étant des hypocrites. Eh bien, Sir White, dans le livre qui c'est Jésus-Christ, dans chapitre 67, page 562, il fait une déclaration pour le dire. Eh bien, Jésus te gagné un pitié, eh bien, qui te manifesté sous visage li. Pendant qu'il t'a jeté un regard sous temple, qui était à Jérusalem, et sous moun yo qui t'a coûté, eh bien, à Jérusalem. Avec une voix qui te brisé par émotion, Jésus te exclamé avec des larmes amères. Eh bien, Jésus t'a dit comme ça, Jérusalem, Jérusalem, ou même qui tue prophète yo, ou même qui tue, ou même qui lapide, tout moun que bon Dieu te voyé pour nous yo. Combien fois bon Dieu lui-même livré et bien ramener nous et bien en Basel lui-même j'ai maman Paul après ramener petit divin en Basel lui et bien que nous-mêmes nous pas vu, c'est-à-dire nous ouais les songes je dis là et bien lui montrer nous que nous pas deux des hypocrites parce que l'homme hypocrite et bien j'ai un proverbe qui l'a dit café ou à couler à main parce que ou pas capable gagner la vie éternelle non seulement ou fermer la vie éternelle pour l'autre monde ou même tout ou pas capable rentrer, c'est-à-dire nous ouais combien il est important pour jodi a moun ansanm avèk ou, eh bien, an dedan l'eglise, nou pa des hypocrites. Eh bien, nou e kat kriter la ka e hypocrite yo, eh bien, yo fè yo pase pou sa yo pa e. Et yap di moun fè yon bagay, yo pa fè, yo exige moun respecte la loi, yo pa respecte la loi. Yo remè premier place, yo remè le moun a fè eloj pou yo, et denye bagay, yo remè reklame sa nou rele titan honorifik. Eh bien, yon bagay ki va être intéressant, c'est que ou pa bezwen yon chef religieux pour tomber dans l'hypocrisie. C'est-à-dire, moi, ensemble avec vous, il faut que nous soyons très prudents parce que nous n'avons pas besoin de pasteurs, nous n'avons pas besoin d'anciens, nous n'avons pas besoin de diacres d'église, nous n'avons pas besoin de grands prédicateurs, eh bien, nous n'avons pas besoin de monde qui ont plus de talent dans l'église pour que nous soyons capables de tomber dans l'hypocrisie. C'est ça qui fait moi, ensemble avec vous, nous sommes prudents en ce sens pour que nous ne soyons pas tombés dans l'hypocrisie. Et comment nous sommes capables de prendre conscience
de hypocrisie qui la caille nous. Et dans le cas contraire, comment nous capables d'efforcer nous pour que nous capables changer, pour que nous quittions conduite hypocrite ça, et bien pour que nous capables venir de véritables serviteurs et servantes de Dieu. Et bien c'était leçon aujourd'hui à l'hypocrisie. Avant nous aller, à nous prier mon Dieu. Merci bon papa parce que vous apprenez nous pour que nous pas des hypocrites, pour que nous pas fait semblant, mais bien que nous soyons des véritables serviteurs, des véritables servantes, afin que chacun nous dit yo, c'est eux-mêmes qui nous-mêmes nous vivent dans la vie de chaque jour. Fais grâce, nous pas gagner rythme pour ça dans Jésus. Amen. Déjà, je te passe une très bonne journée, bonne étude et à la prochaine.